Hein? Donc, je ne veux pas citer les secteurs, mais comme je dis, je suis primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Vraiment, je vous remercie et souhaite une bonne fête à tout le monde. Merci. Vous l'avez fait et vous voulez vraiment le souligner. C'est pourquoi vous avez vu donc aussi l'État à préparer. Donc, vous avez aussi donné une empreinte suite à cette manifestation. Nous avons ensemble, pour écouter ici l'hymne national avec tout le respect. J'ai toujours surtout été impressionné à la fin de mon discours par l'aspect développement durable que vous avez imprimé donc à mon passage. Une chose pour dire que cette année vraiment nous nous jouons avec beaucoup de satisfaction. J'ai écouté le discours du secrétaire général. Je voudrais en promettre, comme on dit chez nous, toute cette considération pour que le pouvoir pour moi, vous en distribuez cette considération à l'ensemble de mon collaborateur. Les responsables syndicaux, à tous les travailleurs, à toutes les travailleuses, donc de tous les secteurs, du primaire, du secteur secondaire, du secteur tertiaire, comme même le secteur aujourd'hui, vous pouvez appeler le secteur formel. Je n'oublie pas donc, les collaborateurs de choix qui sont dans la presse, mais aussi les forces de défense et de sécurité qui contribuent donc, à la réussite de ces événements. Dans le discours, j'avais fait donc, une évolution, j'avais retracé l'évolution depuis 1884, c'est-à-dire donc, le dernier quart du 19e siècle, en insistant particulièrement sur l'année 1886 et en déclinant le tout hein, pour ce qui s'est passé dans notre pays. Pour dire que le Sénégal n'a jamais été à la traîne. Donc il a été de tous les combats importants pour la dignité de l'être humain. Et vous devez, donc à travers les organisations syndicales, jouer au rôle du premier point. Donc, dans tout ce qui touche aux libertés de l'homme. En parlant de démocratie, j'ai bien retenu, hein, pour ça, en écrivant vite, longtemps, donc, vous pouvez insister sur les lieux donc, qui ont témoigné, mais aussi les victoires, et surtout sur les conditions de travail, hein, dans la mesure où les révolutions continuent. Bien entendu, ils vont continuer, mais. Le message, hein, donc à travers les règles de doléances, on a précisé le tout. Je veux souligner aussi donc, le rôle joué par une découverte, par l'élite, monsieur. La maison du citoyen.
qui tout le bonheur, mais aussi l'honneur d'avoir à recevoir et de formuler aussi donc, toute ma considération que j'ai pour vous, mais pas de la vous, à l'ensemble de mes travaux, qui constitue une des mamelles vives de mes casse-mères. Je dis bien vive, parce que premièrement, nous assurons beaucoup sur mes forces, sur mon travail. Du reste, c'est le travail qui demeure d'être humain. C'est ce qui a fait donc un être à part par rapport aux autres êtres vivants sur la planète Terre. Vous permettrez aussi vraiment de dire toute mon admiration, mon impressionnel. Parce que cette année, vous, comme peut-être l'année passée, cette année, vous venez en force. On le voit, hein, donc par le faciès, par donc, la diversité des pancartes, et aussi la variété des informations. J'ai essayé de lire certainement dans le cahier de doléances qui permettra d'avoir une vue plus étendue, plus large. Toute chose pour dire que vous avez tenté et réussi une inclusion. Pourquoi à travers donc, tout ce que vous. Par ailleurs, pour celui qui est chargé de perfection, du respect des lois et des règlements dans le département, je voudrais saluer.